Yo, yo! Facebook. Y'a moi qui a dit pour Facebook là. Avec côté mon rien. Régulaire, parler. Non, c'est comment? Calais, nouveau sujet, le mettre en action, le retour. Calais. Non, aujourd'hui, c'est quoi? Un gars qui me pose la question. Il dit, go noir, go clair ou go blanche? Qu'est-ce qui est mieux? Mon fils, moi, c'est pas de quelle question tu me parles. En même temps, c'est une bonne question parce que, bizarrement, les gars aiment le go clair. J'ai remarqué, nous, on est fan de go clair. Et je sais pas pourquoi, en fait, parce que j'arrive pas à comprendre le pourquoi. Mais on aime trop les go clair. Alors que quand moi, je regarde, il y a beaucoup de patagos noirs. T'es naturel, là. Il y en a qui sont jolis. Moi, je vous dis qu'on fait Miss, là. Miss Post, Miss Côte d'Ivoire, Miss whatever. Miss de n'importe quel pays. La plus belle, celle qu'on a choisi de faire Miss, là. Celle qui gagne la compétition, là. C'est pas la plus belle du pays. Ah non, c'est pas la plus belle du pays. On a compris nous représenter, mais c'est pas la plus belle du pays. En fait, c'est la plus belle des celles qui se sont présentées. Est-ce que tu vois? Parce que tu vois, il y a des glos, mais il y a des patagos. Je sais de quoi je parle. Moi, j'ai vécu souvent dans les ghettos. Il y a des ghettos, j'ai vécu dans les ghettos là. Tu débarques, non? Et puis tu vois une go. C'est-à-dire qu'elle n'a pas les habits qu'une go classe aura, devra avoir. Mais une go, c'est pas fille à papa a. Mais la go, tu sens que si tu as mis, si tu as enlevé le fanny comment pour se laver, que tu l'as un savon luxe, mais pas ma pute, c'est gâté. Tu vois? Non, je comprends pas. Et puis à cause de ça, à cause du fait que nous on aime trop les go clair, et les go comme ça, c'est dépigmenté maintenant. Tu vois? Ça c'est pas mal, mais bizarrement la dépigmentation là, souvent ça marche pas, tu vois les gars qui est point, c'est sale, ça fait sale. Yo les gars, ne vous gênez même pas, voyez vous dites, ne faites même pas ça, m'appelle dépigmentation là. Maintenant moi, c'est moi qui le dis, ne faites pas ça, c'est pas joli, ça sent mauvais. Hey, c'est mon avis, ça ne concerne que moi. Ok, ça ne concerne que moi. Ne faites pas, c'est pas joli, c'est pas propre. Pour moi, je vous fais une go claire naturelle. Je vous fais une go noire naturelle. Je fais une go blanche de naissance. Et tu vois, pas des go blanches de père ou de mère. De père souvent de mère, de père peut-être de soeur. De mon âge, ils vont vous dire de quoi on ne parle pas. Clair, ce copain me dit qu'il a commencé la foutaise. Il a foutaise. Toujours dans tes ce sont tchao. Copie, mon chat, je vous explique. Copie Olomide, on sort un peu du sujet. Copie Olomide, lui là, il chante pas beaucoup. Regardez ses vieilles chansons, pas beaucoup. Hein. Le mot qui danse, non, il n'est pas dedans. Il paye les morts pour danser, pour chanter. Ça, maman nanga, maman nayo. Et ils ont dansé, mais chez lui, les derrière, palpin, fait tchao. Oh, Kofi! Et le clip de Mewé Kofi. Mewé, chaud, Kofi. Prudentia! Kofi est derrière. Canon, kaka, tchao. Kofi a métier, non la vérité, hein. Kofi là, c'est un gars, il est comme le Bob Marley là. Lui là, il peut prendre quartier avec un pays. Il vous dit un pays. C'est maintenant Kofi danse un peu, tu vois, il va, c'est un conseil, il chante un peu. Souvent c'est tellement étonnant que quand Kofi commence à chanter, tu sais même pas que c'est Kofi qui est en train de chanter. Tu dis, Kofi chante. Non, revenons au sujet. Go clair, go noir, go blanche. Moi, il dit go naturel. C'est tout. Moi, il dit go naturel. J'avais rendez-vous avec une go. Ah. Une chose, les gars. Arrêtez de donner rendez-vous au go par téléphone. Enfin, une go, tu connais pas. Mais ça fait marcher. Non, ce qui marche. Hein. Moi, j'ai connu une go. On m'a parlé d'elle. Je ne dirais pas son nom. C'est la go. Bâtard. Non, on n'a pas dit bâtard. On dit bon. On te met sur cette go-là. Dès que je peux te voir, la go a dit, elle est où, bonjour. Je dis, yeah, la go, elle est dans la bataille. Yeah, il y a son choc. Je lui mets les commandes, elle est métisse. Il dit, hein? Ça a chauffé. Donc, je cousais la go tous les jours. C'était cool, elle parlait, c'était chic. Je dis, go métisse, il y a sa voix,
forcer les patins. Non, forcer. Donc, il donne rendez-vous à la go, il débat tranquille. Pour aller attendre la go. Je suis en train d'attendre la go. Toutes les go métis qui sont passées devant moi, il dit c'est celle-là. Il dit non, Franck, il te la chance. Et bien, il était fond de mon téléphone déjà avant que j'arrive. Il dit bon, ah, Jean, moi, Jean, les go, c'est le maître. Je vais vous montrer cette technique plus tard. Non, on va trop faire le commentaire dessus. Donc, il débat, non, bien sapé, tu as une petite montre, un pot de papillon, il débat. Non, je l'ai tout, l'ego qui m'a dit, c'est là, elle arrive, là, c'est là, non, c'est là, elle arrive, là, c'est pas elle. L'autre go clair passe, il dit, non, c'est celle-là, non, elle passe. Et puis, il y a quelqu'un derrière moi qui dit, hé, je me suis retourné, non, Guenon n'a rien fait, non, vous avez dit que je suis méchant ici, non. Franchement, il n'y a pas de vilaine fille. Il n'y a pas de vilaine fille. Il y a un gars, il y a un grand poète français qui disait, le bête va finir, il disait, même la plus vilaine a fait souffrir son amant. Ça, c'est philosophique, théorique, tu vois, anthropologique. C'est-à-dire que ça, si tu comprends pas français, tu ne peux pas comprendre ce qu'il a dit. Ça veut dire que, il n'y a pas de vilaine fille sur cette terre-là. Figure-toi, tu penses qu'elle est vilaine. Elle a cassé coup d'au moins 7 mogos. Toi-même, tu ne comprends pas. Celle qui dit qu'elle est vilaine, là. Elle a cassé coup des gens ici. Non. Toutes les coups, si cette terre-là, elles ont cassé au moins coup d'une personne. Au moins. C'est le gars. Il y a eu au moins deux gars qui ont couru derrière et qui pleuraient, qui étaient pendés là, mourir, à casser leur cou. Donc, il n'y a pas vraiment de gros vilaine. Mais le problème, c'est que moi, je ne m'y attendais pas. J'avais une image dans ma tête. T'es marqué dans ma tête que go métisse, forcément joli. Plus pas ta voix, ça veut dire égal. Oh là là. Eh, tu vois, métisse, plus pas ta voix au téléphone, égal. Oh là là. C'est ça qui est dans ma tête. Donc j'étais déçu. Donc, dernière qu'elle était, pour moi, j'ai dit que c'était pas, elle était métisse, c'est vrai, une belle voix, c'est vrai. Mais, le visage, bon.